Bonjour tout le monde, c'est Didark, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft pour un nouveau tutoriel pour réaliser une ferme à canne à sucre automatique. Donc qui est une ferme 100% automatique, assez productive, qui est relativement simple à faire et qui fonctionne de la 1.11 à la 1.19+. Pour faire cette ferme, vous aurez besoin d'un petit peu de fer pour faire les rails, les hoppers, le minecart, etc. Et un petit peu de redstone. Voilà comme on peut le voir ici pour faire les observeurs, etc. Donc pour faire cette ferme, vous aurez besoin de ces matériaux. Donc avec les quantités qu'il y a dans ce coffre, comme d'habitude. Des blocs de construction, vous pouvez prendre ce que vous voulez. De la terre, du sable, ce que vous voulez. Du moment que la canne à sucre peut se poser dessus, il n'y a aucun problème. Des observeurs, du verre. Ce n'est pas obligatoire, mais bon, ça rend plus joli. Des pistons, deux coffres, un wagonnet entonnoir, deux entonnoirs, des rails de propulsion, des rails normaux. Deux seaux d'eau, donc il faudra se créer une source d'eau infinie. De la poudre de redstone, une canne à sucre bien sûr. Deux leviers et des escaliers. Là encore une fois, pareil, vous pouvez utiliser les escaliers que vous voulez. Donc avant de commencer la construction, vous aurez besoin d'une zone de 12 blocs par 4 blocs de profondeur sur 5 blocs de hauteur. Donc maintenant, on va commencer la construction sans plus attendre. Alors, une fois qu'on est prêt, qu'on a toutes nos ressources, on va d'abord commencer par créer une source d'eau infinie. Donc on va venir casser 3 blocs comme ceci, mettre une source d'eau dans ce coin et une source d'eau dans l'autre. Une fois qu'on a fait ça, voilà, on obtient une source d'eau infinie juste ici. Donc ça nous servira par la suite pour mettre l'eau dans les escaliers. Alors maintenant, on va tout de suite placer notre coffre. Donc on va d'abord creuser 4 blocs comme ça, mettre notre double coffre et on va venir relier 2 entonnoirs derrière. Ensuite, on va prendre des blocs de construction. Donc ce que je fais ici, c'est une farm de 10 blocs de long, donc exactement comme celle-ci. Bien sûr, vous pouvez l'agrandir à l'infini. On va venir poser un bloc comme ceci juste à côté des entonnoirs. Et on va venir compter 10 blocs. Et on va poser un autre bloc. Donc, je vais vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, parfait. On va prendre deux leviers. On va venir en positionner un ici qu'on va activer. Et pareil de l'autre côté qu'on va activer. On prend ensuite nos deux rails boost, qu'on vient positionner ici et ici. Une fois qu'on a fait ça, on prend nos rails normaux et on relie les deux rails boost. Et on obtient quelque chose comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre nos blocs de terre, nos escaliers, nos sources d'eau. On va venir placer des blocs de terre au-dessus de nos rails. Voilà, on obtient quelque chose comme ça, cette forme. Une fois qu'on a fait ça, on va venir placer nos escaliers juste derrière, donc veillez bien à faire l'angle avec l'escalier. Hop, normalement on en a 10 à placer. J'ai du mal à le poser, c'est bon. Et ici pareil, on fait l'angle, on obtient quelque chose comme ça. Et maintenant, c'est là que la source d'eau infinie va nous servir, donc pour remplir les escaliers. Donc vous remplissez l'escalier, vous prenez une source d'eau, vous remplissez, prenez une source d'eau, vous remplissez, etc. Vous avez compris le principe. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre nos blocs de construction qu'on va venir placer au-dessus de ces escaliers. Voilà. Donc pour l'instant, on obtient quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à mettre pause hein, si vous faut un peu de temps. Maintenant, on va se servir de nos pistons et de nos observateurs. Donc, on va d'abord placer nos pistons tournés vers nous comme ceci. Donc pareil, 10 pistons. Voilà. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va reprendre nos blocs de construction. Et on va faire une ligne de blocs de construction juste derrière les pistons. Voilà. Donc voilà, je vous mets un peu de profil, on obtient quelque chose comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre nos observateurs et on va les tourner dans ce sens. Donc que les yeux de l'observateur regardent dans la même direction que les pistons. Hop, on vient en mettre sur toute la rangée. Qu'on verra après un autre modèle qui nécessite qu'un seul observateur. Donc je vais vous le montrer tout de suite, donc voilà. Au lieu d'avoir toute une rangée, on n'en a qu'un seul dans un coin. Donc si un observateur coûte trop cher pour vous, voilà, vous en fabriquez qu'un seul et vous remplacez tout le reste par des blocs de construction. Maintenant qu'on a fait ça, on a presque fini. Il nous reste à placer notre redstone. Donc voilà, tout le long derrière. Une fois que la redstone est placée, on va prendre notre verre, notre canne à sucre et on va venir déposer la canne à sucre sur la terre. Une fois qu'on a fait ça, on vient fermer le tout avec du verre, donc 3 blocs de haut tout autour.
Voilà. Donc vous pouvez fermer au-dessus, mais c'est pas obligatoire. Normalement, ça ne pose pas de problème. Une fois que tout ça est fait, il ne nous reste plus qu'à utiliser notre wagonnet à entonnoir. Donc qu'on vient placer dans un des deux coins. Moi je le place ici. Et voilà. Le minecart entonnoir va tourner en continu. Et donc ramasser la canne à sucre qui va tomber. Donc maintenant pour vérifier qu'elle marche, je vais changer la game rule. Hop. Et je vais la mettre à 5000. Non, c'est peut-être un peu beaucoup. On va la mettre à 1000 déjà. Voilà. Et on attend, et comme vous le voyez, ça marche parfaitement. C'est bien récupéré par le minecart entonnoir, et c'est bien déposé dans le coffre. Donc, comme on peut le voir, la ferme marche parfaitement. Donc maintenant, comment fonctionne cette ferme? Donc c'est très simple. Quand la canne à sucre pousse, et qu'elle arrive à 3 de hauteur, elle se fait détecter par l'observateur qui déclenche un courant de redstone. Ce courant de redstone va tout simplement déclencher le piston qui va venir couper la canne à sucre. Cette canne à sucre va tomber sur les blocs de terre. Et donc la canne à sucre va tout simplement se faire aspirer par le wagonnet entonnoir qui va lui-même se vider dans les hoppers jusqu'à arriver dans le coffre. Tout simplement. Donc maintenant je vais vous présenter deux autres modèles, donc un petit peu différents. Donc tout d'abord celui-ci. Donc c'est quoi la différence? C'est tout simplement qu'au lieu d'utiliser 10 observateurs, il n'en utilise qu'un seul. Donc c'est le même fonctionnement, mais comme vous pouvez le voir, si ces cannes à sucre poussent, mais pas celle-ci, ça ne va pas les casser. Donc voilà, ça ne change vraiment pas grand-chose. Si vous manquez de ressources, voilà, vous pouvez utiliser qu'un seul observateur, ça marchera très bien aussi. Sinon, tout le reste est exactement pareil. Maintenant, juste ici, on a une ferme donc, qui utilise un seul observateur, donc comme on l'a pu le voir ici, mais qui n'utilise pas de minecart avec des rails. Donc qui utilise tout simplement un courant d'eau qui ramène les cannes à sucre dans des entonnoirs jusque dans le coffre. Donc l'avantage de celle-ci, c'est tout simplement de ne pas avoir à crafter de minecart entonnoir et de rails. A la place de ça, on va créer une petite zone avec un courant d'eau qui va ramener les cannes à sucre dans les entonnoirs. Donc le gros désavantage de cette ferme, c'est qu'il y a énormément de pertes. Comme vous pouvez le voir ici, la canne à sucre reste sur les blocs de terre, ne va pas forcément dans les courants d'eau. Alors que ces modèles sont sans pertes. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. Posez vos questions en commentaire, j'y répondrai le plus rapidement possible. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!